Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Julien, Ilona et Mélanie. Depuis les révélations choc d'Ilona, Mélanie a quitté Julien avec qui elle était secrètement en couple depuis plusieurs semaines. Malgré la polémique, Julien semble déterminé à tout faire pour reconquérir Mélanie. Tout à l'heure, il lui a de nouveau adressé un message dans sa story Instagram. Alors qu'il faisait la promotion de sa marque de maillot de bain, Julien a décidé de renommer son mannequin Mélanie. De son côté, la jeune femme a répondu à quelques questions sur Instagram ce week-end et certaines réponses semblent directement reliées à son histoire avec Julien. Ilona a également posté un message dans sa story. Pour les internautes, ce serait très clairement un tacle adressé à son ex. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et vive le Lavandou, c'est incroyable, regardez comme c'est beau. J'adore. Le ciel, il est magnifique. Il a une autre couleur. Mais là, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des touristes en ce moment. J'aime pas ça. J'aime bien rester au calme ici. Qu'est-ce que tu fais, petit voyou? Il y a toujours des trous. Voilà. Bah, ça vient faire des trous. Écoutez, il est content. Qu'est-ce qui fait beau, la mer. Regardez, qu'est-ce qu'il y a, calme. On dirait un lac. C'est magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'il fait beau chez vous parce qu'ici au Lavandou, il fait très très beau. C'est une belle journée qui commence et aujourd'hui j'ai une nouveauté qui va m'accompagner un long moment, pendant tout l'été même. C'est que j'ai récupéré un mannequin. Regardez, il est ici, il est sur pied et comme ça je pourrai un peu plus vous montrer les maillots et vous allez vous rendre un petit peu plus compte comment il rend. Les maillots, parce que c'est vrai que sur un cintre, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas les mettre, vous le comprenez bien. Donc, j'aurai ce mannequin pour vous présenter des tenues chaque jour. Regardez celui-là, il est magnifique. Je vais vous le montrer un peu plus de près. Je vais vous faire une belle petite vidéo. Et ce mannequin, j'ai décidé de le renommer Mélanie. Voilà, c'est Mélanie qui va m'accompagner. Est-ce que fruit du hasard pour ce nom? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera Mélanie. Donc, Mélanie, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'elle porte. Le petit loustique, n'oubliez pas, nous livrons en 48 à 72 heures partout en France et nous livrons partout dans le monde. Peut-être pas dans ces délais, mais nous livrons partout dans le monde. Oui, Mélanie met ce modèle très très en valeur. C'est incroyable comment elle peut porter nos maillots, notre collection. Donc n'oubliez pas le code, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est très drôle. N'oubliez pas que le code SUMMER est toujours actif et vous donne droit à moins 20%. Je vous mets le lien juste ici. Et Mélanie et moi, nous vous souhaitons une belle journée. Peux-tu pardonner à une personne qui compte pour toi? Tout dépend de ce qui a été fait, pourquoi et pour quelles raisons ça a été fait et le comportement qui s'ensuit. Comment est-ce que tu fais pour être aussi droite et juste? Tu es un exemple, Mel. Je ne suis pas toujours juste, parce que parfois, comme tout le monde, mes émotions prennent le dessus. Mais j'essaie toujours d'avoir ma conscience pour moi et de me respecter. C'est en se respectant qu'on peut respecter autrui. Je me remets toujours en question, j'essaie constamment d'améliorer ce qui ne va pas chez moi. Je ne fais pas de coups de... Je ne trahis pas, je ne mens pas, je ne triche pas, et pour moi, c'est la base de tout. J'essaie toujours d'être la plus droite possible, parce que la satisfaction d'être fière de soi est la plus grande. Bonjour, bonjour, tous les matins au réveil, une petite citation. Des excuses sans changement de comportement, ça s'appelle de la manipulation. Les paroles, c'est très simple. Faites attention aux actes, car si vous regardez bien, la manipulation est aussi de dire les mêmes paroles et excuses à tout le monde et que l'on ne se rende même pas compte. Protégez-vous.